Tu lis une BD? Moi, je lis un Gaston, ça fait longtemps, puis c'est toujours cool. Mmh. Mais en fait, ça serait super comme idée, ça. De quoi? Parler un petit peu des instruments qui ont été inventés dans les BD, puis pourquoi pas dans les films et les livres. Ouais. Allez. Allons-y, allons-y. Voilà un sujet qui va plaire pour tous les musiciens qui cultivent également une grande passion pour tout ce qui est univers geek en général. Et pour faire cet épisode, je me suis concentrée essentiellement sur les instruments qui ont été inventés dans le cadre de cette culture de l'imaginaire. J'ai donc fait le tri entre ceux qui ont effectivement un aspect spécial mais qui existent bel et bien, comme par exemple le theremin ou les orgues de différentes déclinaisons. J'ai également dû faire une sélection pour ne pas réaliser une vidéo trop longue. Cependant, si la nécessité se présente et que le sujet vous intéresse, ce sera toujours l'occasion d'en créer un deuxième opus. Étant donné que cela va toucher d'autres spécialités qui ne sont pas forcément les miennes, j'ai fait appel à différents collègues vidéastes. Ainsi, ils pourront présenter, avec leurs connaissances plus expérimentées que la mienne, ces œuvres de la littérature ou du cinéma. Les liens de leur chaîne sont dans la description. N'hésitez pas à aller regarder leurs vidéos qui en valent franchement le détour. Et je ne pouvais pas parler de ce sujet sans commencer par le gaffophone de Gaston Lagaffe. Car pour la petite anecdote, quand j'ai cherché un nom pour ma chaîne, j'ai justement failli l'appeler le gaffophone. Mais avant de commencer, un petit point sur cette BD qui est déjà bien connue. Gaston Lagaffe apparaît pour la première fois le 28 février 1957 dans les pages du magazine Spirou, d'abord destiné à n'apparaître qu'à quelques endroits, commettant des gaffes en rendant certaines pages illisibles. Et s'il obtient tout de même une première planche dans le numéro 1000 de Spirou, paru en juin 1957, ce ne sera qu'à partir du 5 décembre de cette même année que Gaston a enfin droit à des strips en une ou deux bandes. Il faut dire qu'André Franquin, son créateur, avait déjà pas mal de projets, entre les aventures de Spirou et la série Modeste et Pompon pour le journal de Tintin. Il s'associe alors à JDM, de son vrai nom Jean de Messmaker, pour dessiner les histoires de Gaston jusqu'à ce que Franquin abandonne les aventures de Spirou en 1969 pour se consacrer intégralement à son personnage. Alors comment définir Gaston paresseux? Bah pas vraiment en fait. Comme l'expliquait Franquin, Gaston est un véritable bosseur, toujours fourré dans le bricolage et les inventions folles, mais juste pas motivé quand on lui demande du boulot qui ne l'intéresse pas, comme s'occuper du courrier ou trier les archives. Gaston est un enfant en fait, trouvant toujours le côté ludique dans son travail, tout comme Franquin. C'est aussi un fanat des animaux, comme Franquin. D'ailleurs, ses parents à Franquin possédaient des tortues, un chien et même un écureuil. Et le chat est carrément calqué sur celui de Franquin, qui s'appelait César dans la vraie vie. Enfin, Gaston est aussi un passionné de tout, chimie, cuisine expérimentale et musique également, et justement, en 1969, dès que Franquin reprend les rênes de la série, eh bien Gaston invente le fameux gaffophone, nommé brontosaurophone par Fantasio, et fait donc pour la première fois écrouler les plafonds de la rédaction. Le gaffophone est donc un instrument à cordes pincées, de style harpe, et qui pourrait se rapprocher de la lutherie d'une cora, instrument dont je vous ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Mais on pourrait également le rapprocher au begena, qui n'est autre qu'une sorte de harpe éthiopienne.
Franquin lui-même annonce qu'il se serait inspiré d'une harpe africaine exposée au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Physiquement, il est constitué d'une grosse caisse de résonance centrale ainsi que de deux petites installées de chaque côté afin d'amplifier le son. Ces trois caisses de résonance sont toutes recouvertes d'une peau tendue, comme la kora. Le gaffophone a été réalisé plus d'une fois en vrai, souvent acoustique mais également avec quelques triches pour correspondre à la production sonore catastrophique décrite dans la BD, en y installant par exemple un synthétiseur caché dans la caisse. D'ailleurs, le journal Spirou organisa en 1968 un concours nommé « Fabriquer le gaffophone ». La rédaction reçut plusieurs instruments exceptionnels, aussi bien au niveau de la fabrication, avec des systèmes de levier, qu'au niveau du poids, avec des instruments pouvant atteindre les 25 kg. Certains ont été envoyés à la rédaction par le train ou fixés solidement sur le toit d'une Peugeot 404 Break à travers les rues de Paris. Partons maintenant du côté des grands classiques de la littérature SF, avec le cycle de fondation de Isaac Asimov. Alors, le cycle Fondation a été rédigé par Asimov durant une quarantaine d'années, qu'on va résumer ici en 2 minutes, ce qui nécessite de prendre son souffle bien fort. Le cycle se déroule environ 22 000 ans dans le futur, où l'homme a joyeusement colonisé la galaxie. Mais évidemment, il n'a toujours pas trouvé le moyen de vivre en harmonie. Du coup, on a droit aux traditionnelles histoires de conflits, de trahisons politiques ou de conquêtes de pouvoir. Ce cycle d'Asimov, et notamment les premiers ouvrages, thématise énormément la psychohistoire, une science fictive qui voudrait que sur une base de psychologie sociale et de phénomènes sociaux, on puisse statistiquement plus ou moins prédire le futur. Il s'agit donc de comprendre comment les foules se comportent, comment elles réagissent pour prédire leurs actions ainsi que les conséquences de ces actions. Bref, une manière de fonctionner qui relativise beaucoup la force d'un individu face aux grandes masses qui contrôle l'avenir. Et dans ce cadre, le visi sonore est super intéressant à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'un appareil accordé à l'esprit de son utilisateur qui peut alors composer des symphonies visuelles et auditives. L'instrument a un rôle important dans le récit, puisque dans la nouvelle Le Mulet, il se retrouve justement dans les mains, du mulet, un mutant capable de modifier les émotions des autres individus. Il utilisera donc l'instrument pour amplifier ses pouvoirs et influencer le cours de l'histoire. Ce qui désavoue l'idée de psychohistoire comme quoi un seul homme ne peut pas influencer plus que ça l'ordre des choses, idée qu'Asimov a lui-même mis en place. Mais bon, que voulez-vous ? Asimov adore construire des concepts pour passer ensuite son temps à taper dessus. Sacré farceur. Difficile de décrire physiquement l'instrument vu qu'il n'y a pas de véritable représentation visuelle. Mis à part quelques-unes qui laissent voir un instrument avec beaucoup de touches, comme on peut le retrouver actuellement sur certains instruments électroniques comme le Dualo Dutouch. Cependant, cette création assez inédite peut se rapprocher des orgues à couleurs, dont la première version, nommée clavecin oculaire, fut imaginée vers les années 1735 par le moine jésuite français Louis-Bertrand Castel. Le père Castel imagina une sorte de clavecin, dont le mécanisme serait relié à un système d'affichage de couleurs fonctionnant à l'aide d'un jeu de rubans, d'étoffes peintes ou de lanternes équipées de verres prismatiques. S'en est suivi plusieurs dizaines de créations dans le même genre, comme, à titre d'exemple, l'orgue à couleurs de Remington en 1893, le piano optophonique de Baranoff Rossiné en 1915, le sarabée de Mary Alloc Greenwalt en 1918, et j'en passe. Mais selon la description du livre, les couleurs et les images perçues sont avant tout dues à des sortes d'hallucinations produites directement par le cerveau, car les radiations qu'il émet stimulent directement le centre de vision, à l'intérieur même du cerveau, sans jamais exciter le nerf optique proprement dit. Pour expliquer ce phénomène, on pourrait parler d'audition colorée ou de synopsie, une forme de synesthésie qui est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés, comme ici la vue et l'ouïe. Et cela toucherait environ une personne sur 2000. Quelques personnalités ont possédé ce don de synopsie, comme le peintre Wassily Kandinsky et le compositeur Alexandre Scriabine. Olivier Messiaen, qui œuvra beaucoup pour approfondir le rapport son et couleur, ne possédait pas cette fameuse faculté. Cependant, il ressentait intérieurement les couleurs lorsqu'il écoutait ou lisait une musique. Mais il n'est pas rare de pouvoir associer une couleur à une musique ou un timbre sans avoir cette faculté particulière. Moi-même, travaillant avec les enfants, j'ai déjà pu l'expérimenter lors de projets sur les couleurs et les musiques. Généralement, je fais écouter à mes élèves 2 musiques différentes. Une mineure plutôt triste et une majeure plutôt joyeuse. Je leur demande d'imaginer la salle comme étant un immense tableau blanc et leurs mains pleines de peinture. Je donne alors la consigne de peindre mentalement la musique qu'ils sont en train d'écouter.
Non seulement l'expression corporelle n'est pas la même selon l'énergie musicale, mais en plus, une fois l'exercice terminé, je demande à mes élèves de me raconter les couleurs qu'ils se sont imaginées, et dans 95% des cas, les réponses sont assez similaires. Pour la musique majeure, ils ont utilisé des couleurs chaudes, comme le jaune, le rouge ou l'orange. Et pour la musique mineure, ils ont plutôt utilisé des couleurs froides, comme le bleu, le vert ou le noir. D'ailleurs, le visi sonore a également inspiré l'invention d'un autre instrument imaginaire utilisé dans une série animée bien connue, le holophonore de Futurama. Futurama, c'est une série diffusée pour la première fois en mars 1999 sur la Fox, créée par Matt Groening, le créateur des Simpsons et plus récemment de Désenchanté. Comme son nom l'indique, elle se passe dans le futur, en l'an 3000, où s'est retrouvé un jeune livreur de pizza un peu paumé, Philip J. Fry, après avoir été cryogénisé en 1999. Il se retrouve à bosser en tant que livreur dans une compagnie plein de personnages hauts en couleur. Contrairement aux Simpsons assez tranquille là-dessus, la série a connu des turpitudes. Une diffusion chaotique, une déprogrammation, une reprogrammation sur Comedy Central en téléfilm puis en série, elle s'est finalement arrêtée en 2013. Fatalement, qu'elle se passe dans le futur permet d'avoir toutes sortes d'inventions farfelues et là, la série a frappé très fort. Elle a fait preuve d'une très grande inventivité et parmi ses trouvailles, l'holophonore. Ah, Futurama et les Simpsons. Je l'avoue, je suis moi-même une grande fan des Simpsons depuis une bonne dizaine d'années, au point où je connais presque tous les épisodes par cœur. Le holophonore se rapproche donc énormément du visi sonore, car il est directement inspiré de la création de Isaac Asimov à quelques différences près. Déjà, au niveau de la lutherie, nous allons plus nous rapprocher du hautbois, qui n'est autre qu'un instrument à hanches doubles de la famille des vents. D'ailleurs, il existe un épisode Simpson crossover avec Futurama où nous avons Lisa qui joue de cet instrument mais en version saxophone. Contrairement au visi sonore qui émet des radiations pour stimuler le centre de vision, le holophonore, lui, utilisera plus la projection holographique pour créer des pièces ou des opéras racontant une véritable histoire. Désolé. De ce fait, sur ce système, il se rapprochera plus des orgues à couleurs dont je vous ai parlé précédemment que de la synopsie. D'ailleurs, l'instrument a été produit en vrai en 2013 par Harrison Crix et le résultat est plutôt de qualité. Il a d'abord rassemblé 1 milliard d'images de la série pour définir l'aspect de l'instrument. Étant donné que Futurama était encore dessiné à la main, le physique du holophonore changeait d'une séquence à l'autre. Au bout d'un moment, il conclut que les touches de l'instrument se rapprochaient plus d'une clarinette que d'un hautbois. Alors il a utilisé le corps d'une vieille clarinette achetée au rabais dans un magasin de musique. Après différentes modifications, peinture, montage électrique et l'utilisation de 54 LED, on peut maintenant admirer cette magnifique reproduction. Par contre, désolé, cette création est incapable de jouer de la musique et encore moins de produire des hologrammes, ce qui est bien dommage. Et puisque nous sommes dans les séries télévisées, pourquoi ne pas faire un tour du côté de la plus grande série de science-fiction en termes de longévité de tous les temps, j'ai nommé Doctor Who. Doctor Who est une production britannique diffusée pour la première fois le 23 novembre 1963 sur la BBC One. Elle a presque 56 ans tout de même. Malgré un arrêt de la production en 1989 après 26 saisons et un téléfilm en 1996, la série est revenue en force en 2005 et s'est popularisée dans le monde entier. À ce jour, elle compte plus de 850 épisodes et elle est encore en cours de production. Elle relate les aventures du Docteur, un seigneur du temps venant de la planète Gallifrey et pouvant voyager dans l'espace et le temps à bord de son TARDIS, qui signifie en français « temps à relativité dimensionnelle interspatiale », qui n'est autre qu'une cabine téléphonique de police britannique de couleur bleue et des années 1960. Afin de continuer l'histoire du Docteur tout en palliant aux problèmes des acteurs vieillissants ou souhaitant quitter la série, la production a décidé de créer un système de régénération, permettant au Docteur de changer de corps et aussi de personnalité et de sexe avant de mourir. Concernant l'instrument en question, il ne possède pas de nom, mais il apparaît dans l'épisode Dalek, qui est le 6ème épisode de la première saison après le reboot de 2005. Dans cet épisode, le Docteur se retrouve en 2012 dans un musée privé d'un collectionneur d'objets de provenance extraterrestre. Ce petit objet semble réagir au toucher et produit un son assez cristallin. You just need to be delicate.
Il se peut que le véritable instrument utilisé pour produire le son de cette invention ne soit autre que le waterphone, un instrument aux aspects futuristes inventé dans les années 1960 par Richard Waters. Instrument dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode et qui a été plus d'une fois utilisé afin de créer des effets sonores dans différents films d'horreur ou de science-fiction. Au niveau de la technique et de la production sonore, on pourrait le rapprocher également du glass harmonica, ou harmonica de verre, qui est un instrument qui fut inventé par Benjamin Franklin en 1761. Fonctionnant sur un principe de verre sur lequel on va faire glisser les doigts trempés afin de mettre le cristal en vibration pour produire un son. Mais il se rapproche également du cristal bâché, un instrument issu d'une grande famille nommée les structures bâchées. Le cristal bâché se rapproche du waterphone, avec l'utilisation de tiges métalliques reliées à des archets de verre, ou tiges en verre que l'on vient frotter avec ses mains préalablement trempées. Partons maintenant du côté du grand écran avec cette fois-ci l'instrument qui m'a donné envie de réaliser cet épisode, le balisé de Dune. On va faire une pause de dernière minute ici avant de recevoir plein de commentaires sur ce point. Il semble que en français cela se prononce au féminin, soit balisette de T-E et non balisé E-T. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis focalisée sur la version anglaise, sans m'interroger sur la version française tout comme mon collègue, c'est pour ça qu'on va dire balisé. De plus, quand on cherche « balisé » sur Google, on trouve pas mal de choses. Et quand on cherche « balisette », on tombe sur... ça. Donc veuillez m'excuser pour l'erreur. Dune, voilà une œuvre dont on entend souvent parler depuis quelque temps. Mais avant tout, petite remise en contexte de l'univers qui fut créé par Frank Herbert et publié pour la première œuvre de la saga en 1965. Pour l'univers, et tout du moins le début de la saga, nous sommes le 11e millénaire, et plus précisément... en l'an 10191, l'univers connu est régi par l'empereur Padishah Shaddam IV et règne sur tout l'impérium d'une main de fer. Une substance parcourt tout l'impérium et celle-ci procure longue vie et dons de seconde vue. Elle se nomme l'épice, mais celle-ci ne se trouve que sur une seule planète, Arrakis, celle que l'on nomme Dune, la planète des sables. C'est un monde hostile où règnent en maître des vers géants dont la taille défie l'imagination. Nous sommes dans une société de type galactique, mais avec un mode de fonctionnement féodal. Tout cela est la conséquence d'un affrontement il y a plusieurs millénaires entre l'humanité et une IA. Et à la victoire de l'être humain, un précepte fut annoncé. Tu ne feras point de machine semblable à l'esprit de l'homme. Et c'est à partir de cet édit que toute forme d'informatique a été proscrite. Évidemment, cela influe sur la technologie, mais aussi indirectement sur la musique. Donc oui, adieu toute forme de musique assistée par ordinateur, et de là nous revenons à une forme d'instrument de musique que l'on pourrait qualifier d'à l'ancienne. Dans l'univers de Dune, les musiques sont cantonnées, disons-nous, en deux catégories. D'un côté, celles qui servent pour les cérémonies et les festivités des nobles, mais nous découvrons l'autre facette de la musique dans l'univers de Dune, avec le personnage de Gurney Halleck, de Paul Atreides, mais aussi des Fremen. Dans ce cas précis, nous avons essentiellement le balisé, utilisé pour divertir les gens. Le personnage de Gurney Halleck s'en sert aussi bien pour divertir les gens de son entourage, comme pour chanter une ballade mortuaire quand les soldats qui sont très proches de lui sont sur leur lit de mort. Paul Atreides nous montre une autre facette de cet instrument en s'en servant pour séduire une personne, car parmi les Fremen, cet instrument est un des rares moyens d'évasion qu'ils peuvent avoir au quotidien pour oublier qu'ils sont sur Arrakis. Nous allons essentiellement nous attarder sur la version du film de 1984, et ce balisé en particulier a été réalisé à partir d'un instrument électrique existant mais trop peu connu bien que très classe, le Chapman Stick. La version du film est à la base un Chapman Stick à 10 cordes,
Une toute dernière petite précision. Le la ol balisette est décrit comme étant un instrument à 9 cordes. Mais, dans le film, il possède bien 10 cordes. Et vous pouvez d'ailleurs les recompter si vous le souhaitez. Mais contrairement à la guitare, ce n'est pas un instrument à cordes pincées. En effet, bien que le manche ressemble à un large manche fretté de guitare électrique, le musicien va l'utiliser en tapant ou en frottant les doigts sur les cordes afin de produire directement le son. Les deux mains sont sollicitées, permettant au musicien de jouer la basse et la mélodie simultanément. De ce fait, il se rapprocherait plus du piano, qui, je le rappelle, est un instrument à cordes frappées, contrairement à la guitare électrique. Cet instrument a été inventé par le guitariste de jazz, Emmett Chapman, d'où le nom, et le premier modèle fut lancé en 1974. La bande-son jouée par Gurney Halleck dans le film est en fait directement tirée de l'enregistrement sur cassette réalisé par Chapman lui-même avec sa chanson Backyard. Il y a encore énormément de choses à dire sur le Chapman Stick. Malheureusement, étant limité par le temps, je ne peux pas tellement m'étendre dessus. Bien qu'il mériterait un épisode en entier. Et hop, encore un instrument à rajouter sur ma longue liste de sujets à traiter. Concernant le balisé du film, c'est donc un véritable manche Chapman Stick qui est utilisé. Mais il est associé à un ventilateur électrique et à une espèce d'entonnoir à la manière du stroviol, afin de transformer cet instrument qui est de base électrique en instrument acoustique. Selon la page fandom de Dune, le balisé serait un descendant du zither, qui n'est autre qu'une sitar de concert comme celle-ci. D'ailleurs, si j'ai de la réverb, c'est en partie à cause d'elle. Ce qui serait tout à fait probable, sachant que les sitars sont plus ou moins les ancêtres de tout ce qui est instrument à cordes frappées ou pincées. Et comment ne pas finir sur une des plus grandes sagas de science-fiction du monde du cinéma, avec les célèbres instruments jouant dans la cantina de Star Wars. Star Wars, la plus grande saga de l'univers, a été créée en 1977 par George Lucas et compte à ce jour 10 films. Et oui, Rogue One et Solo comptent pas pour du beurre. La première trilogie est sortie entre 1977 et 1983, avec comme personnages Luke Skywalker, la princesse Leia et Han Solo. Après un succès plus que retentissant, Lucas s'est dit qu'il allait faire une seconde trilogie, mais qui se passe bizarrement avant la première. Ce qui nous donne une trilogie de préquels tout ça, qui est sortie entre 1999 et 2005 sur le parcours d'Anakin Skywalker qui vague vers son destin plus que funeste et triste nanani nananer. Puis rebelote entre 2015 et bah actuellement toujours en cours la troisième trilogie avec le personnage de Rey, de Finn et l'éternel beau gosse Poe. On sait comment ça marche hein, Disney hein. Un nouvel espoir est l'un des films de la saga les plus appréciés du grand public. Et pour cause. Peut-être à part au fait que c'est bah tout simplement le premier opus de la saga Star Wars, le début, tout ça. C'est aussi le film dans lequel on entend une musique qui deviendra emblématique de Star Wars. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Cette scène, dite de la cantina, nous montre pléthore d'aliens en tout genre, plus visqueux les uns que les autres, et c'est surtout la première apparition du capitaine Han Solo et de son éternel compagnon, Chewbacca. Cette cantina, qui est une sorte de bar, se trouve sur la planète Tatooine, planète d'origine de Luke Skywalker. Bon, dans le film, on va pas se mentir, c'est un repère pour gens... pas trop honnête. Après, ça tombe bien parce que justement, dans cette scène, on a Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi qui sont à la recherche d'un pilote qui serait prêt à les amener dans le système d'Alderaan de manière un peu incognito. D'où l'apparition d'un personnage emblématique. La rencontre avec Han Solo, capitaine du Falcon Millennium, qui accepte de les emmener sur la planète contre une jolie petite somme d'argent. Il perd pas le nord, le bougre. La scène dans ce fantastique lieu musical se termine sur l'un des plus grands débats de l'univers Star Wars. Alors qu'Obi-Wan et Luke sont contraints de quitter la cantina à cause d'une troupe de Stormtroopers qui est en train d'arriver, Han Solo est bloqué par Greedo, un chasseur de primes rhodien qui réclame de l'argent à Han qu'il doit à son patron, le fameux Jabba le Hutt. On apprend alors que la tête de Han est mise à prix et que Greedo a bien envie de se remplir les pépettes. Et là, c'est le drame. Han Solo, le héros de tant d'enfants, shoot first. Mais voyez-vous, ce qui est cool avec cette scène, c'est que malgré tous les revirements de situation qui s'y passent, une seule chose reste immuable. La musique continue. Alors en fait, dans Star Wars, il existe plein d'instruments de musique différents. Comme par exemple, excusez-moi je vais tricher, le blistle, le hippolyop horn cluster,
le bavunka et encore j'en passe. Limite, on pourrait faire un épisode entier juste avec les instruments de la saga. Donc, comme je n'ai pas 3 heures, on va se concentrer uniquement sur ceux présents dans la scène de la cantina. L'ensemble est composé de 5 instruments. Le clou-horn est décrit comme étant un instrument à hanche double, comme le hautbois, avec une embouchure en forme de S. Il est le plus populaire de la galaxie. Sachant que horn signifie corps, et d'après sa physionomie, on pourrait le rapprocher du cor anglais, de la famille du hautbois. Le fizz, ou le Dorinian Bechnickel, est décrit comme étant un petit instrument à hanche simple comme la clarinette. Le fanfare est un instrument à vent, mais il n'y a pas vraiment de précision si c'est un instrument à hanche ou pas. Peut-être se rapprocherait-il plus de la flûte à bec. Dans tous les cas, il est pratiqué en bouchant des fentes d'air nommées pharaslots. Le bandfile ou bandfile est un instrument à vent monté de plusieurs pavillons à cloche nommé réciprocator et d'un plungsunder qui était un grand haut-parleur servant à amplifier le son. Au niveau de son aspect, sachant qu'il possède plusieurs pavillons, on pourrait le ranger dans la famille de la trompette. Et pour finir, l'omnibox, réputé comme étant assez difficile à jouer. Dans le film, il est apparemment utilisé comme amplificateur et permet d'atténuer et de modifier les fréquences basses à l'aide de la pédale sui qui modifie le son produit par l'instrument et de la pédale boom qui règle la production sonore. Si j'ai bien compris, ce qui n'est pas tout à fait sûr, ce serait donc une sorte de synthétiseur plus qu'une percussion contrairement à ce que je pensais au début. Dans l'univers, tous ces instruments sont utilisés principalement dans le jazz et le jazz, une espèce de musique entraînante plutôt swing. J'avoue que pour cette dernière partie, les recherches ont été assez compliquées. Toutes les sources sont uniquement en anglais, il y en a très peu et en plus ça part un petit peu dans tous les sens. Et quand on s'y connaît pas très bien dans l'univers de Star Wars, on est très vite perdu. Donc si vous avez repéré des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez toujours soutenir mon travail via Tipeee et j'ai ouvert récemment une page Utip qui me permet de toucher un petit peu de rémunération en visionnant simplement quelques publicités. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les chaînes des différents copains qui sont intervenus sur cette vidéo, il n'y a que de la qualité. Et tous les liens sont dans la description. Et en attendant un prochain épisode, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous. Et pour une fois, cette phrase tombe vachement bien dans le contexte.